D'être là, il y a plein de gens que je connais pas, mais peut-être que je connais, donc moi ça me ferait plaisir de savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là et quel rapport vous avez eu avec mon papa et ma maman. Je voulais d'abord remercier Michel Robert et ses collaborateurs, Marie-Sophie et Maxime, pour le travail qu'ils ont fait, d'abord pour leur idée de rendre hommage à maman et du même coup à papa. C'est vrai que c'était un peu compliqué de faire maman sans papa, c'est l'histoire de leur vie, donc c'est assez logique. Et donc quand l'idée de cette expo est apparue, moi j'étais très, très enthousiaste, mais je ne me rendais absolument pas compte que dans toute la préparation de cette exposition, j'allais vraiment découvrir, découvrir presque la moitié de la vie de ma maman, que je ne connaissais pas bien du tout. C'est-à-dire que toutes les traces de son passé comme danseuse chez Béjart étaient toutes consciencieusement triées par la seule personne qui pouvait trier ça convenablement, c'est notre grand-mère. Moi j'ai découvert ma maman hyper souriante, hyper heureuse, resplendissante. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de la voir si heureuse en dansant, si heureuse à cette période-là. Sachant qu'après, c'était pas tout à fait la même chose, ça m'a fait plaisir de voir aussi combien elle avait été humble dans toute sa vie. Elle présentoir avec tous les livres, c'est une photo. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle faisait Scheherazade, parce qu'elle était le ventre à l'air avec plein de pelouses, donc j'ai dit, ah, c'est la photo de Scheherazade. Et puis, les chefs me disent, ah, non, pas du tout, c'est pas Scheherazade. Ah, eh bien, nous avons retrouvé que c'était le rôle de la femme du monde. Donc c'est intéressant aussi de voir ça, que déjà me donne un rôle extraordinaire. Et donc j'étais vraiment contente de pouvoir découvrir tout ça, pour que ça puisse être mis en valeur ici. J'espère qu'avec la chaleur qui fait, les documents ne vont pas fondre, parce qu'ils ont vécu quand même dans le grenier, dans une boîte sombre pendant très longtemps. Je ne voudrais pas qu'ils fassent une réaction chimique qui les détruirait, et encore que peut-être que... Peut-être qu'un jour, voilà, il faut garder tout ça dans le cœur. Peut-être que vous êtes ici parce que vous avez admiré mes parents comme danseurs. Peut-être que vous les avez connus plus personnellement, peut-être que vous ne les avez pas connus du tout. Mais voilà, c'était des gens formidables. Et là, de regarder derrière les photos, les êtres qui s'y cachent, et pas seulement le bling-bling des photos de mode, donc, ils sont en effet magnifiques, comme sur l'invitation, mais c'était aussi autre chose que ça. Voilà. Merci. Et on a constaté, en réalité, que Paolo Bortoluzzi était à la hauteur de Nourrieff, bien sûr, mais dans plusieurs articles de presse, on a pu lire que la critique de l'époque considérait que Paolo Bortoluzzi était supérieur à la prestance et à la beauté de Nourrieff. On a constaté aussi que Paolo Bortoluzzi n'était pas seulement un danseur, un grand professeur de danse, un responsable d'école de danse internationale, un homme d'une intelligence et d'une finesse et d'une beauté extraordinaire. Alors, on est vraiment très heureux d'avoir réalisé cette exposition qui, à Escient, n'a pas voulu se mettre dans un carré de salle, mais bien dans un chemin de surprise, d'élégance et de force. Vous avez un des ballets que Paolo Bortoluzzi appréciait beaucoup, c'est Roméo et Juliette. Vous avez Baudelaire, vous avez bien sûr Le Bon, Manon et Grand, et vous montez, avant de vous arrêter, Vénus Verte
Et vous montez et vous verrez. 15 ballets. 15 ballets que nous mettons en avant aujourd'hui en l'honneur de Paolo Bortolini et Jeannette Curie. J'aime aussi les gens qui se sont occupés de la mise en beauté de mes parents aujourd'hui.